Quittons les terrains de foot pour des formations nature. Elles s'organisent un peu partout, en Wallonie et à Bruxelles. Leur but, former tout un chacun à la nature et à sa protection. Lucie Dendoven a suivi une classe de l'association Natagora sur le site du Rouge Cloître à Bruxelles. Bienvenue donc à cette séance de travaux pratiques. Des paroles aux actes. Le petit groupe d'élèves s'achemine vers le premier étang du Rouge Cloître. À l'affût derrière leurs jumelles, ils ont tout de suite matière à discussion. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit les... Quelles espèces est-ce que vous voyez? Dites-moi. Des fuligules. Fuligules ou... Oui, les deux espèces, hein, fuligules morion, fuligules milouin, qui sont des canards plongeurs. Tu connais des noms d'oiseaux déjà? Pas beaucoup. Et ceux qui sont évoqués là, à ce cours, ça te dit quelque chose? Non, j'apprends. Pas facile pour Doriane de se familiariser à tous ces noms dès le premier cours. Pour sa marraine, par contre, c'est tout de suite l'émerveillement. C'est une activité de plein air, c'est une activité relaxante et qui me permet d'apprendre beaucoup de choses. Et en plus, c'est à portée de main. Je veux dire, je vais dans mon jardin, je regarde des oiseaux et jusqu'à présent, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc, voilà, c'est ça qui me plaît, apprendre ce qui est autour de moi. Et ce qui est autour d'eux est étonnant. Des canards, des foulques en abondance, et puis, tapis dans les roseaux, le héron cendré. Avant, c'était très difficile de les approcher, de les observer. Maintenant, ils sont voilà, dans nos parcs et un groupe comme le nôtre aujourd'hui ne le perturbe absolument pas. Protégé depuis quelques années, le comportement de la faune change, et pas seulement son comportement. Regardez cette libellule écarlate. Cette espèce méridionale était invisible il y a quelques années encore chez nous. Bien avant que les scientifiques ne parlent officiellement du réchauffement climatique, on voyait quand même des choses qui se passaient, notamment au niveau des oiseaux, certaines espèces qui remontaient vers le nord d'année en année et qui ont atteint nos frontières, certaines fauvettes par exemple. Actuellement, depuis quelques années, des petits hérons comme le héron garde-bœuf nichent dans la région de Mons, hein, dans la réserve de Archi. Pas encore de héron garde-bœuf au Rouge Cloître à Bruxelles. Mais un martin pêcheur, un oiseau discret qui suscite toujours le ravissement. Tellement, tellement beau. C'est chaque fois incroyable. Dès septembre, l'ASBL Natagora ouvre de nouvelles classes, autant de lucarnes pour observer la nature et ses changements continus. Oui, le